Bonjour à toutes et à tous. Alors, je dis, les désillusions risquent d'être très fortes parce que n'oubliez pas que Macron est le champion du bonneteau. C'est un jeu de dupes de l'ordre de l'escroquerie qui est bien connu de tous les gens qui fréquentent notamment certains endroits comme les puces. Alors, ce qui est terrifiant, c'est que Macron est finalement insubmersible. Parce que regardez bien, quel que soit le résultat, le 7 juillet de ces élections législatives où il n'y aura pas de majorité, à mon sens absolue, c'est impossible, mécaniquement, hein, parce qu'il n'y a pas de possibilité pour un parti ou un autre de ramasser la mise. Alors comme je l'ai dit, ce qui est inconcevable, c'est d'avoir une gauche pourrie, raciste, antisémite, qui va faire du 30% des voix, c'est-à-dire qu'il va y avoir un électeur sur trois qui va voter pour ces gens-là, qui professent la haine et qui sont vraiment complètement tarés, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi. On est en France quand même, hein. On n'est pas encore en Palestine, comme ils appellent ça, avec leur drapeau là, à la main, et à raconter des conneries. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter, c'est pas possible. En plus, qu'est-ce qui va se passer? Toute la gauche, au bon moment, si, au second tour, va voter comme un seul homme avec l'appui des Républicains qui, eux, bientôt n'existeront plus et ce sera mérité, parce que ce sont des gens qui n'ont rien compris à la politique, là. Faut le dire, les Wauquiez et compagnie, là, et Pécresse et tout ça, ils n'ont rien compris à la politique. Ils n'ont rien appris, rien écouté. Enfin, c'est une catastrophe. Hein, parce que moi, j'ai connu les débuts de Chirac au RPR, je peux vous dire que ça avait une autre allure, hein, que là on a affaire à des zombies. Et moi je vote pas pour des zombies, hein, ça c'est sûr. Bon, j'espère que vous ferez pareil d'ailleurs, parce que franchement, ils méritent plus nos voix, hein, ces gens-là. Autant voter directement alors pour la gauche. Alors dans la gauche, c'est bien, c'est un catalogue, vous avez du choix. Hein. Vous avez Mélenchon, Bompard, comment il s'appelle, la Glucksmann, etc., Poutou, tous ces gens-là. Et qui vivent comme des bobos, hein, qui sont payés grassement quand même, faut le savoir, et pour nous cracher à la figure, c'est extraordinaire, quoi. Et de l'autre côté, vous avez ce que j'appellerais la gauche plus molle, la gauche caviar de Macron, qui elle est là en se disant comment on va garder le pouvoir, et d'un coup Macron, il a dû sortir de son bain en disant Eureka, j'ai trouvé. Il a dissous l'Assemblée nationale, il n'a pas laissé le temps aux gens de respirer, les élections ont lieu 3 semaines après la débâcle, la première, et le 7 juillet au soir, on saura où on en est. Je crains fort, parce que j'ai l'habitude de la politique et des choses, je crains fort qu'on nous ait bien savonné la planche, qu'on nous ait bien fait croire qu'il y avait une chance de changement, d'alternance, etc. en France, alors qu'il n'y en aura pas. C'est ça qu'il faut savoir. Il n'y en aura pas. Parce que rien ne changera. Et ça, c'est ma seule certitude aujourd'hui. Nous n'avons pas de gens capables, je dis bien capables, de dépasser disons, la vie de tous les jours, de dépasser les habitudes, les us et les coutumes pour faire un vrai changement. Or, sans ce vrai changement, ce qui oblige à prendre des mesures impopulaires quand même, nous n'avons aucune issue. Nous sommes au bout de cette route, au bout de la route France, parce que là, actuellement, il suffit d'aller dans certains endroits qui étaient encore français il y a peu pour se rendre compte comment le mal s'est installé partout. Ils ont compris. J'ai vu comment ça s'était passé dans les camps en Syrie. Je vais vous expliquer ça vite fait. Alors, dans les camps en Syrie, bon, il y avait de la pauvreté, c'était terrible. Les gens étaient entassés les uns sur les autres. C'était des réfugiés, bien entendu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les frères musulmans sont arrivés et ils ont apporté, c'était très simple, des médecins à manger. Donc, à partir de là, une fois qu'ils ont apporté des médecins et à manger, toute la population des camps était avec eux. Voilà, c'est tout simple. Et qu'est-ce qu'est en train de faire ici l'islam? Ils font la même chose. Dans les cités, ils apportent des conseils, ils apportent tout ce qu'il faut. Ils ne laissent pas les gens comme ça, pas comme nous. C'est-à-dire qu'ils sont solidaires.
Nous, solidaire, c'est un mot qu'il faut bannir de notre langage. Ça n'existe plus. Alors, on dit ce qu'on veut, mais c'est bien l'hôpital qui se moque de la charité, parce que vous savez ce que ça veut dire? C'est pour signifier à quelqu'un qu'il a lui-même le défaut qu'il reproche à autrui et qui passe sa vie à dénoncer justement les torts d'autrui. Et on dit, il faut pour faire cela, il faut être irréprochable. C'est une définition du Larousse. Donc, si on comprend bien tout notre système, le Rassemblement national n'est pas qualifié pour quoi que ce soit, et encore moins pour gouverner. Par contre, le nouveau Front populaire, lui, est tout à fait qualifié et compétent, bien sûr, pour achever notre société qui est déjà très mal en point. Et la société française judéo-chrétienne, je peux vous garantir que s'ils arrivent au pouvoir, vous pourrez lui faire une croix dessus, c'est un jeu de mots un peu délicat, mais c'est celui-là. Et sinon, bien entendu, la Macronie qui a totalement échoué, l'économie capoute, la sécurité capoute, l'immigration n'a jamais été aussi forte que depuis 2017. Hein, ça, faut le savoir, c'est officiel en plus, donc on peut le dire maintenant, sans risque d'être poursuivi par la justice qui n'en est pas. Et donc, c'est basique, c'est simple, c'est efficace, parce que ceux qui devraient effrayer tous les Français sont ceux qui risquent au contraire de gagner ces législatives et de les gouverner vers le néant le plus total. Donc, ce qu'on reproche, par exemple, à ce qu'on appelle l'extrême droite, ça fait toujours peur. Attention, il y a l'extrême droite là. Moi, j'avais l'impression, franchement, quand on me disait ça, qu'il y avait Marine Le Pen avec une armée à la porte de Paris, et si elle avait gagné l'élection, qu'elle allait arriver avec ses soldats, quoi. C'est ça que ça veut dire, hein, quand vous lisez bien partout, quand vous entendez bien tout ce qui se dit, c'est ça, hein. Et on a vraiment une armée d'occupation qui se prépare. Mais sauf, ce qu'on oublie, c'est la réalité. La réalité, c'est que l'armée d'occupation, elle est déjà là. Elle est un peu partout maintenant en France, et que bien, bien des endroits ne sont même plus aujourd'hui, il faut le savoir, français. C'est clair et net. D'ailleurs, une petite boutade, quelle est la seconde langue parlée à Marseille? Allez, allez, on y va. Eh bien, c'est le français, évidemment, parce que la première, c'est l'arabe. Voilà. Bon, je vais arrêter là, parce que sinon, je vais m'énerver, c'est pas bon pour moi. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, dire ou faire comprendre ou expliquer aux électeurs pour qu'ils se mobilisent en masse et qu'ils aillent voter et changent ce système qui a foiré. Parce que c'est ça la vérité, ce système qu'on a depuis, allez, depuis Giscard à peu près, il a foiré. Et maintenant, il faut reconstruire. Et pour reconstruire, il faut des bûcherons, des maçons, il faut des gens qui sont actifs. Il ne faut pas des espèces de pencus comme tous ceux-là de la gauche, là, bien pourris, bien racistes, bien antisémites. Hein. Je vous signale quand même, mais là, on les cache, hein, les vieilles vidéos, il y a quelques années, un type, par exemple, comme Caron, a toujours été clairement anti, comment ils disent? Ah oui, anti-sioniste, oui, parce qu'anti-sioniste, ça ne fait pas peur. On se dit, tiens, il est anti-sioniste, ouais, c'est quoi anti-sioniste? Ben, c'est un anti-juif, hein, les gars. Allez! Merci, et on est mal, très mal, et je crains qu'après le 7 juillet, on soit encore plus mal. Bon, allez, soyons positifs, j'irai quand même voter. Au revoir.